Oh, une tête à classe, gars, non? En fait, faut les violenter, ces gars-là. Plus jamais de bomber le torse. Oh, ils ont chié dans la colonne, hein? Oublie pas tout dans le thorax, 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 oublie pas tout dans le thorax! Wesh l'équipe, on se retrouve sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege. J'étais en pleine partie d'entraînement pour pas passer pour un branquignol, ça fait un moment, j'ai pas allumé ma PS5. C'est un jeu vidéo de tir tactique développé par Ubisoft. Il est sorti le 1er décembre 2015 en bombasse sur PS4 à l'époque, Xbox One et Windows. Mais le jeu sort également sur Google Stadia le 30 octobre 2021. Ce jeu, il est essentiellement pour le mode multijoueur. Le système de Rainbow Six, c'est un jeu de tir tactique où le joueur incarne différents agents, plusieurs unités de force spéciale qui constituent l'équipe de Rainbow. Comme les autres titres de la série, il se concentre fortement sur le jeu en équipe et le réalisme. En gros, il y a les défenseurs, il y a les attaquants. Le jeu à l'époque avait très peu d'attaquants et très peu de défenseurs. Aujourd'hui, il en comptabilise 63. C'est énorme. Le but du jeu va dépendre si je suis en attaque ou si je suis en défense. Donc là, c'est un match classé. C'est-à-dire qu'il y a un mode de jeu, c'est la bombe. Une bombe A, une bombe B. Si je suis en défense, je vais donc défendre les bombes pour pas que les assaillants viennent poser le désamorceur. Pour ceux qui sont en attaque, l'objectif, c'est de mettre une grosse fessée et de désamorcer en direct live la bombe. Première chose, quand le match est lancé, nous aurons une proposition de 3 cartes. Nous allons tous voter pour exclure une carte. On se retrouve tous dans la villa. Là, dans un premier temps, chaque équipe va pouvoir exclure un des agents en attaque et en défense. Il y a Clash aussi qu'il fallait gicler, c'est vrai. On peut choisir où débuter. Donc, généralement, tout le monde se met au premier. C'est la tradition des anciens, ça. Je vais vous montrer d'abord Valkyrie. Elle t'envoie des appareils, des genres de caméscopes, mais genre à l'ancienne. Tu vois, qu'est-ce que je veux pas te dire. Là, le premier objectif, c'est de sécuriser les bombes. Donc, il y en a une ici et une ici. Direct, tu fais ton travail de maçon. Oh, Bordy, passe-moi la truelle. Ah, chic, histoire que je renforce cette façade. Donc bien sûr, t'as des petites grenades, peux péter les murs pour mettre un accès un peu plus ledge entre les deux bombes. Toi, tu poses tes caméscopes où tu veux, tu peux les attendre partout. Moi, je sais que j'ai une petite habitude, je creuse mon trou à rats. J'aime bien passer par là. Mes caméscopes sont fonctionnels. Je pense qu'ils ont un peu besoin d'aide du chef de chantier là-haut. Là. Oh, le temps que t'arrives, il y aura toute l'équipe au sol. Là, je t'ai entendu, je t'ai vu. Dans le caisson. Là, comme on a perdu, on peut se remettre exactement sur la même si on veut. On va prendre Frost. C'est plus une traqueuse. Elle, en fait, elle a trois attrape-nigo. Là, tu mets tes brise-vent. Oh, tu fais quoi, toi? Par ici. Et là, tu vois, tu peux te mettre dans le revers du corps de l'armoire ici. J'entends quelqu'un. Oh, il m'a fait bourdonner le crâne, lui. La vie de ma gramps. Là, après, quand t'es mort, tu peux voir tes potes. Donc, si t'as le micro avec eux, c'est très intéressant. Oh là là. Je sens que je suis tombé sur le champion. Ouais, oh, il arrive même pas à placer le viseur, mais t'es un champion, toi. Bon, lui, c'est un bon appui, lui, Jagger. T'inquiète-toi pas. Oh, il a l'air d'être décidé, ce gars, non? Oh, on dirait trois branquignoles, ils arrivent même pas à gérer le gazier, là. Voilà. Là, je vais vous présenter Tachanka. Il est un peu bouffi. Tu vois, qu'est-ce que je veux te dire? Mais il est formidable, un champion, ce gars. Il a les trapèzes bien haut. Tu vois, qu'est-ce que je veux te dire? Avec ce gars, en fait, t'as un genre de lance-pépite. Tu donnes tout dans le nerf plantaire. Dans le nerf, tu vois ce que je veux te dire? Mais plantaire, tu vois? Ouais, au fait, ceux qui sont en attaque, ils ont leur petite cam. Hein. Mais ça, c'est pas nouveau, ça, je t'apprends rien. Connais quand même. Oh, il est en train de me faire tourner le crâne. Oh, il est en train de me faire tourner le crâne. Oh, il me fait tourner le crâne. Tu vois, quand le mec il pose sa caméra ici, tu sais que c'est un audacieux, ce gars. Tu sais qu'il a peur de rien, ce gars. Mais bon, tu lui mets un coup de crosse. Ça arrive. Tu lui mets tout dans le caillou, tout dans le caillou, tout dans le caillou. Ah, je me suis pris une agression physique inattendue aussi. Vas-y, je m'attendais pas. Il a pas bien compris le concept. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Oh, ils sont insultants, ces gars-là, en vrai. Ah, Sledge, il a déjà été pris, donc tu peux pas le prendre. Tu peux pas avoir deux personnages sur le même perso. Bah, tu sais quoi, on va prendre Flores. Donc, ce gars, il embusque, tu sais, avec son traquenard. Lui, il a une baviole. Objectif, quand t'es en attaque, c'est de leur mettre une grosse descente incisive. Tu vois ce que je veux te dire? Faut pas leur laisser l'occasion de te régler. C'est toi qui as la facture en main, c'est toi qui mets des pipes. Après, moi, ceux de devant, je les trouve provoquants. Tu sais, ils sont accusants, juste avec leur regard. Mais c'est pas grave. Tu fonces et crois-moi que le ticket de caisse, il va être salé. Après, c'est compliqué. Je suis dans une équipe de cinglés, moi aussi. Voilà, tu peux sautiller, t'as avec ton outil de travail. Donc, ce qui est bien maintenant en attaque, c'est que tu peux encore changer de personnage tant que c'est pas fini. Donc là, t'arrives, cross, cross, cross. Tu rentres, tu t'imposes, tu mets tout dans le caisson. Regarde bien. Tu t'imposes et tu mets tout dans le caisson. Ah, mais vas-y, Rook aussi. Oh, il m'a cassé du sucre sur mon dos, lui. J'ai des douleurs dans mon grand dorsal maintenant. T'as toujours des gars un peu comme moi, tu sais. Les mecs, ils sont morts, ils sont là. Vas-y, mets-lui dans le frontal, là. Mets-lui dans le frontal. T'es plus nul que nul. Mais ça, c'est normal, t'entendras toujours des mecs au micro s'agacer alors qu'ils sont morts, les mecs. Ils parlent, ils sont morts. Mais c'est pas raté. Allez, mets dans le moyen fessier, là. Qu'est-ce que tu fous? Avance, bordel. Mais mets-lui une rotule. Je t'attends depuis tout à l'heure. Vise le cervelet. Arrête de viser les couilles, bordel. Laissez-moi prendre Sledge. Oh, c'est chic, après c'est gagné. Voilà. Donc Sledge, pour faire court, lui, c'est le plus connu des anciens, ce gars. Ce gars, il a jamais étudié à l'école, ça se voit direct. Lui, il a une masse qui casse des crânes. Tu peux y
galet avec sa masse, il casse tout. Bon, je suis en train de penser que Florez, j'ai un peu eu le temps de te montrer sa bricolade. Mais après, c'est tant pis pour toi, t'as qu'à t'acheter le jeu. De toute façon, c'était un personnage insipide. Oh, écoute bien, quand tu prends ce gars, tu réfléchis pas. Peine de commencer, ça commence à m'arroser d'en haut, ça vient d'où, ça vient d'où? Donc là, je t'explique. Lui, tu mets des gros coups de masse. Rah! Ça casse tout. Et là, c'est pareil, tu t'apposes direct. Et là, j'ai dit, il fallait me laisser sledge. Et là, tu te fonds dans la masse. Là, en fait, t'es chez eux, là. Ouah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce gars? Nuc, c'est un pigeon ce gars. Ouah, ouah, mais vas-y. Qu'est-ce que tu fais là, Vigile? T'as cru que j'étais en boîte de nuit ou quoi? Vas-y, ramasse ta race. Oh, Vigile, crois-moi, je t'aurais cassé tes canaux sanguins si j'aurais pu. Oh, il est précoce ce gars, non? Oh, il est tombé direct. GG. Je vais vous montrer Maverick cette fois-ci. Lui, c'est un farceur. Il est rusé. Lui, il a une sorte de briquet avec quoi il fait des trous dans les murs. Tu vas voir. Oh, il y a aucune logique, mais ça pète sa grimpe, ça, en vrai. Là, ce gars, t'es serein. Tu dors sur tes deux tibias avec ce gars. Le jeu, il est magnifique. En plus, c'est un jeu, franchement, il est super bien fait. Il est super bien réel. Tu peux tuer tes potes. Tu vois, parfois, t'as des mecs comme ça. Tu sais même pas d'où ils viennent. Mais il était là, ce gars. Oh non, bonne mère, il arrive. Donc là, tu vois, quand t'es dernier qui reste 3, généralement, ils aiment bien faire les oufs. Bon, quand t'es le dernier, t'as un peu plus de pression sur ton dos. Voilà, bonne mère. Je me suis fait claquer. J'ai même pas vu que devant nous, il y avait une team, elle est capée. Donc voilà, ce jeu, il est vraiment bien quand on a le micro et quand on est en team, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Après, je vous laisse essayer par vous-même. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir.